Let's do King Julian style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre second test et découverte de la journée. Celui-ci portera sur un petit jeu qui s'énomme Iceland Paradise Afterstorm. Petit jeu qui est développé et édité par SGS. Alors je tiens à remercier aussi le studio qui m'a gentiment offert une petite clé pour vous présenter celui-ci. Petit jeu qui est sorti le 28 février 2024. Les avis sont plutôt positifs. C'est un jeu de survie qui se joue en solo. Il y a aussi le partage familial. Il est au prix de 19,50€ sur Steam. Il n'y a que de l'anglais pour le moment. Alors, sachant qu'il est en accès anticipé, peut-être que d'autres langues arriveront plus tard. Donc, Iceland Paradise est un jeu de survie dans lequel vous construisez, améliorez, personnalisez votre propre île et utilisez les ressources à proximité pour créer une maison pour les générations à venir. Eh ben écoutez, on va aller se découvrir tout cela dès maintenant, c'est parti. Donc nous voilà sur l'écran d'accueil. Donc j'ai fait quelques petits paramétrages, alors il n'y a pas de son. J'espère que c'est normal. Donc on va faire ça, j'ai pas PC sous Windows, donc j'espère qu'en jeu ça va pas gueuler. Donc on va faire nouveau projet. Et on va appeler les Lemus Tribe. Localisation de départ, allez, il n'y a que la forêt, donc on va démarrer. Ok, il n'y a vraiment pas de son, on entend légèrement le vent. Là-bas il y a une espèce de cahute devant, j'ai peut-être augmenté un peu le son. Audio, ambiance, les effets. Alors master, on va mettre à fond. Là, je vais laisser au milieu. Ça me semble pas mal. On va faire back et resume. Là, on entend déjà un peu mieux. C'est pas du maïs là juste devant moi. Collect. Je fais comment? F. Ok. Ok, bon bah pour commencer, j'aurai déjà cette petite cahute. Alors, je sais pas si il y a du mouvement. Du flou de mouvement. On va prendre des pierres et du bois. Et puis c'est parti. Hein. On va essayer de s'installer dans le coin. Alors on va voir les alentours. Je sais pas s'il y aura des... une faune conséquente ou pas. Du métal. Et je sais pas si en faisant B ou Tab. Alors Tab déjà j'ai inventaire, dans l'équipement on n'a rien du tout. Crafting. Stone Campfire, Firewood, Tools, Handle. On allume un Tools, machin et compagnie, Stone Axe. Insuffisant item. Est-ce qu'il faudrait que je fasse ça là? Craft Q. Alors je sais pas. Ouais, ok, d'accord, je suis en train d'en faire un. Insuffisant item. Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Tools head, tools handle. On va faire ça alors. Et puis, qu'est-ce qu'il faut d'autre? De la rope. Alors, je sais pas comment on va pouvoir faire de la corde. Insuffisant item. Ouais, il faut sûrement que j'ai chopé des fibres. Je sais pas si. Moi, je peux collecter du popcorn, mais enfin du maïs. Des petits buissons, plein de fibres. Le gros caillou, là, c'est compliqué. Alors, il y a peut-être un puits. Donc, on voit en bas, j'ai en bas à droite, gestion de la faim et de la soif. Si je cours, on voit que j'ai l'endurance qui diminue et j'ai aussi ma vie. Donc, on va essayer de rechoper des petits buissons parce que je sais pas du tout. Ah, des patates, des tomates. On aura de quoi faire là dans le coin. Donc coquelicot, je peux rien en faire. Cette plante là non plus. Ok, on a l'impression d'être en tri militaire. Alors, suis-je un militaire perdu sur une île après une tempête? J'en sais rien. Ah, bon un coup. Ah donc, est-ce que j'ai assez pour faire des petites cordes? Ah, il y a des bandages aussi. Il faut des clothes. On va en faire 4. Il serait bien qu'il y en ait une qui se termine pour que je puisse faire au moins la hache et la pickaxe.
Voilà, merci. Et là, va me falloir. Ah, peut-être qu'il va falloir que je refasse ça aussi. Hop. Et après, je peux programmer ma pickaxe. Bah écoutez, on va attendre que ça se fasse. Et en attendant, je vais voir si. Alors, je peux pas descendre par là. Ok, je voulais choper les buissons, mais a priori, c'est pas possible. Ah, il y a un papillon. Les tomates. Si je prends mon inventaire, ouais, tomates et j'en ai 30 et j'ai 4 patates. Est-ce que ma hache elle est sortie? Non. Ça prend son temps. Et encore pour 12 minutes. Enfin 12 secondes. Ok, ma Z. Après, ah, il y a notre cahute, on va aller voir. Bon, graphiquement, c'est pas bien. Mais c'est pas non plus foufou. Il y aurait quoi là? Il y a rien du tout. C'est un peu dommage que les maisons soient vides et qu'il n'y ait pas des trucs à récupérer dedans ou quoi qu'est-ce. Et je suis vraiment paumé sur une petite île. Alors, est-ce qu'il y aura moyen? Là, je peux pas descendre. Je sais pas s'il y a un pont quelque part, mais si je suis paumé juste sur petit caillou, ça va être compliqué là. Je sais pas si c'est un système de tyrolienne ou je sais pas quoi qu'il y a. Ah, peut-être qu'il va falloir réparer le pont, les jeunes. On va aller voir. Si se trouve, faut réparer le pont pour se barrer de cette île et aller plus loin. Je sais même pas si c'est. Mais. Ouais, c'est genre la barre d'état là qui est apparue. Bon, elle a du mal, mais. Et je sais pas du tout. Alors, déjà, je vais passer par ici parce que je sais pas si je peux passer ailleurs. Primitive Rock Bench. Arrow Bridge. Un pont de corps, machin, des planches, large wood. Va peut-être falloir faire l'établi. Simon Island, machin. Ça va être des règles pour ranger. Et. Là, il va falloir de la corde, des planches. Et là, je vois de log. Firewood. Et là, pour le moment, je peux pas. Donc, ouais, faut se trouve que j'abatte des arbres. Et Primitive Workbench. Il faut des planches. Des planches, small wool de log, scrap nail. Mais même les clous. Scrap iron. Je sais pas si je peux en faire. Ce serait bien, c'est que tu me laisses ça par an. Je vais en faire 6. Alors là, j'ai mes outils. On va les équiper. Voilà, merci. On va se mettre ça là. Et pour le reste, on verra après. Hein. Il me resterait deux cordes. Le workbench. Wood planche. Bah, écoute, on va déjà aller taper du bois là pour voir ce que ça donne. Item must be equipped. Là, je fais comment pour taper? Non, ça veut pas. Hein. Ah, vous déconnez ou quoi? Ouais, équipé. Non, je peux pas les mettre en raccourci, vous déconnez ou quoi? Ah, primatif et machin compagnie. Et je fais comment là? Je fais comment pour les sortir et taper du bois là? C'est quoi cette blague? Setting. Contrôle. F interact, aim right mouse, me baisser, machin, sauter, fire, ok. Là, c'est la roue de la souris pour le menu contextuel. AE, normalement, je crois que c'est peut-être pour me pencher ou un truc comme ça, mais ça a pas l'air de marcher. L'overbuild, c'est sur la même touche que le reste. Là, j'ai tous mes raccourcis, mais ça veut pas. Repair, reload, machin, rotate build. Tab pour l'inventaire. Fire mode B.
Contexte menu forward. Mais je fais comment pour utiliser les items qui en raccourci quoi? C'est n'importe quoi. À moins que je fasse F devant l'arbre. Même F ça marche pas. Et devant un bout de caillou là. Avec ma souris, ça veut pas. B. Là, je suis un peu embêté là. Si j'arrive pas à sortir mes outils, ça va être compliqué quoi. Bah, je veux pas une équipe, mais bon. Et après, est-ce que si je les remets en raccourci comme ça? Merde, ça l'a jeté par terre. Vas-y, équipe. Ah bah ouais, bah c'est vraiment tout un délire quoi. Faut que je l'équipe sur mon perso et après je le remette en raccourci quoi. Ils auraient pu me laisser en raccourci plutôt que quand je les ai équipés de me les faire disparaître, mais bon c'est pas grave. Bon, au moins on a trouvé la solution. Donc on va passer là-dessus. On tape moi de la pierre. Donc quoi, faut que je me mette à quatre pattes pour taper de la pierre. On va se mettre à quatre pattes hein. Ça me fait penser un peu à la fille de journée. Ok, ça c'est fait. Je sais pas s'il y a une gestion du poids. Donc là, je suis à 17 kg 700 sur 80. Ok. Et j'ai 15 clous sur moi. Écoutez, attends, je suis obligé de passer par ici. Les bandages, je peux pas en faire. Rope et plant fiber. Ok, il va m'en manquer. Donc là, pour le moment, je peux pas faire de bandage. La corde, c'était bon. On peut peut-être essayer de se faire un feu de camp. Non, il en manque. Il faut du du bois de chauffage. Des petites pierres. Large stone. Small stone. Des small stone. Il m'en manque 6. Et du scrap iron pour faire ok d'accord moi bon, déjà je peux faire le bois de chauffage il m'en faut 4 je vais faire les 4 et puis bah je vais aller farmer quelques ressources et on se retrouve après hein. Ok mur bon je reprends vite fait alors quand je tape les blocs là ça me donne que des large stones et les petites pierres je suis obligé de les ramasser par terre. Je sais pas si on pourra transformer les large stones en petites pierres, mais bon. Là, quand on voit tout ce qui défile là. Donc là, j'en ai que 7. Et si je vais dans les crafts, ouais. Hein. Bucket. Là, je pourrais faire un seau. Woodplank machin. Bon, pareil, il est à woodplank. Je vais en faire une dizaine. Donc firewood, c'était bon. J'en ai même 5. Small stone, bah, il m'en manque toujours. Et scrap iron, il m'en manque un également. Ok, bah, c'est reparti. Ok, mon outil s'est détruit. Et a priori, bah, déjà, il n'y a pas de jauge pour l'indiquer. Ce qui n'est pas cool en soi. Et je sais pas s'il y a moyen de réparer les items. Après, peut-être sûr. Parce qu'il n'est pas dans mon inventaire. Ouais, ma pickaxe, elle est pas dans mon inventaire, c'est abusé. Donc, c'est-à-dire que la mâche, elle va péter à tout moment, quoi. Il faudrait que je me fasse le workbench. Hein. Ok. Bon, déjà, ma hache, elle a l'air d'être un peu plus résistante. Mais c'est vrai qu'il faut que je récupère des fibres aussi. Ça là voilà merci bien ça je peux le ranger qu'est-ce qu'il va nous falloir pour le workbench wood plank small wood rope et 20 clous ok je vais peut-être annuler là parce que j'ai que deux plaques d'iron et là il y en a là. D'ailleurs, il y en a une autre ici.
Et il me faut toujours les petites pierres. Donc on va collecter ça. Voilà. Merci bien. Donc normalement, là, on peut se faire le fire camp. Et ça, je vais reprogrammer. Je vais me refaire une hache derrière. Je vais refaire ça parce que je vais en avoir besoin. Et puis mazette, ouais, le couteau, peut-être pas pour le moment. Donc là, on est bon. Et je peux peut-être me refaire une série de clous derrière. Et on va attendre. Ouais, je vais collecter ce qui traîne encore par terre. Et après, on s'installe le workbench et le feu de camp. Ok, les jeunes. Il y a cette maison qu'on n'avait pas vue. Open. Ah putain, c'est le marchand, les jeunes. Je fais comment pour t'acheter de l'eau? Sale. Ah, je peux te vendre des patates. Ah putain, ça me vend le. Ça m'en prend beaucoup, hein. Ah merde, je viens de vendre des. Je sais pas s'il y a moyen d'annuler, hein. Putain, je viens de vendre des graines. Et ouais, si on peut pas annuler, c'est un peu abusé, quoi. Bronze happiness. Ok, et là il me reste qu'une série de graines. Alors je vais les garder. C'est chiant, c'est que pour les patates, alors je peux pas vendre de tomates déjà. Et j'ai pas pu récupérer des graines de tomates et de patates. Il me semble pas en avoir. Moi, je voulais m'installer dans cette maison, mais au final, vu que c'est un marchand, c'est mort. Donc cette maison là-bas, elle a l'air d'être plus grande que l'autre. Donc on va se mettre par là, hein. Alors, ce qui est chiant, c'est que l'entrée, elle est située ici. Et ma Z, bon, je suppose que là, faut que je rééquipe, que je revienne là, que je fasse. Ah bah non, ça l'a mis directement en bas cette fois. Ok. Donc là. On va repasser par ici. Mon feu de camp, je sais pas où il est. Putain, c'est une blague ou quoi? Ça me l'avait pas fait. Oh, la pickaxe, c'est bon. Alors ça, je l'ai refait. J'ai une corde. Donc je peux me refaire une hache au cas où. Bon, je vais attendre qu'elle pète, mais au moins j'ai de quoi faire. Et je veux bien aller voir le workbench. Des planches. Oh, des planches, des planches, des planches. J'en ai 20. Donc normalement ça devrait être bon. Et il me faut 20 clous, j'en ai 20. Et il me manque un item. Les cordes. Il me manque 3 cordes. Ouais, 3 cordes, merci. Donc là le feu de camp. Cette fois c'est la bonne. Je vais le mettre là. Si je fais 3. Ah, je vais me le placer par ici, hein. Là, ça a l'air un peu dégagé. On va se le mettre par là, ouvrir. Storage. Est-ce que je peux faire cuire une patate? Et du maïs. Ouais, mais là à côté, du fuel. Je sais pas si on peut. Ouais, split. Et là, c'est des small. Alors, peut-être qu'il faut du firewood. Voilà, je sais pas si ça va cuire gentiment. Ça, je peux le hit directement. Ok. Et je vais split tout ça. Ouais, je vais en mettre 8. On va voir si on peut faire des tomates cuites. Ça, je vais me le mettre en raccourci ici. Et puis, on est bon, hein. Et je sais même pas s'il y a moyen de trier l'inventaire. Parce que là, c'est bordélique à un point. Et donc le workbench. Voilà, on va se le faire aussi. Et on va voir pour se l'installer à l'intérieur. Hein. Ah, des petites tomates. Ouais, collecte. Moi, je récupère que des tomates à chaque fois. Des patates. Ouais, merci bien. Des fibres.
Ok, j'ai compris. Bois de chauffage. Et ça utilise des large wood. C'est cela. Ok. Bah, par contre, les pierres, on a de quoi faire. Hein. Ça, c'est pour mon outil. Je vais mettre ça là. Avec les cordes. Tout ce qui est bois, machin et compagnie. Ça, on peut le remettre en dessus. Après, ils veulent pas qu'on déplace un item. Ok. On va faire ça comme ça. Là, j'ai des branches. On va se les foutre ici. Donc là, c'est mes fibres. On va faire ça comme ça. Et le workbench, il est prêt. Donc 4. Est-ce que je peux l'installer à l'intérieur? Ouais. Alors, je sais pas si je vais pouvoir après m'installer un lit ou un truc comme ça. Donc on est ici. Donc crafting. Ouais, faire des fenêtres, compagnie. Primitive wood chest. Des planches, rope. Des planches. Il m'en reste 10, c'est bon. Small wood. On en a aussi. La corde. J'ai plus de corde. J'ai plus de corde, des scrap nail et j'ai plus de clous non plus. Je sais pas combien ça en produit, mais j'ai du scrap iron legend. Ah, faut foutre ça dedans là. Small, il me fallait des planches. Voilà. Putain, c'est relou s'il faut tout mettre dedans. Bah écoutez, j'y vais foutre tout mon bazar. Hein. Je vais pas me gonfler comme ça. Ça apprendra ce qu'il y a. Hein. Voilà. Je vais foutre les fibres aussi. Cannot craft insuffisante. Ouais, bah tu commences à me gonfler. Hein. Me dites pas que je peux pas faire de la corde directement ici. Alors déjà, on pourrait faire des outils améliorés. Mais bon, va falloir essayer d'aller taper du minerai. Donc là, ça veut bien me faire une corde. Ok. C'est pas pratique de naviguer d'un côté et de l'autre là, mais bon, voilà quoi. Et pour faire les clous. Ouais, voilà, merci bien. Je sais pas combien ça va en faire, donc je vais attendre de voir. Et je sais pas où est-ce que ça va sortir, mais là, c'est mal foutu ton menu, hein. On devrait limite avoir la fenêtre qui pop à côté. Parce que là, quand j'ouvre, je me retrouve à avoir aussi cette page qui s'ouvre. Elle sert à rien si je suis sur le workbench. Autant mettre que les trucs que je peux faire sur le workbench. Parce que là, au final, si je demande à me faire, je sais pas, genre une corde. Ouais, parce que j'ai pas les items, ils sont dans le storage de trucs. Donc ça sert à rien. Et est-ce que. Il n'y a rien qui est sorti pour le moment. Mais c'est quand tu veux, hein. On est encore bloqué sur 10 secondes. Faut que je fasse quoi de plus pour que ça craft là? Putain, là je viens de virer ma corde. Et mes clous, je suis pas sûr que ça fonctionne quoi. Donc moi je veux bien là, mais bon. Je fais comment après? Faut que je retourne ici. Turn. Putain, c'est. Ouais, ok, d'accord, super. Je vois pas l'intérêt de mettre un bouton pour tourner, que ça se fasse automatiquement. Soit tu me laisses devant, soit je le crafte en direct. Ça va plus vite que ça. Hein. Ouais. Après, putain, pour faire le pont, on peut essayer de finir l'épisode en construisant le pont. Comme ça, voilà, ce sera fait. Donc là, il va me falloir 4 cordes, des planches et des large wood. Je vais essayer de récolter assez de bois pour le faire moi-même, plutôt que d'aller demander à ce que ça soit sur le workbench. Et on se retrouve dès que j'ai tout ça. Ok, mur. Normalement, j'ai ma dernière corde qui va sortir. Et je peux crafter le pont. Donc comme ça, c'est fait. Alors j'ai dû me refaire ma petite hache entre-temps. Je vais refarmer un peu de bois. Alors, par contre, moi, je trouve ça dommage. Alors ça viendra peut-être après, hein. Bon, c'est en accès anticipé, donc il y a pas mal de trucs qui ont été rajoutés. Sur la page d'accueil, on voyait une note avec tout ce qui a été rajouté ou les choses qui ont été fixées. Mais je pense que ouais, je sais, ce serait bien qu'ils mettent une barre
ou qu'on puisse réparer les items au bout d'un moment. Parce que pareil, si les outils en fer, ils se pètent et qu'on peut pas les réparer, les aiguiser ou je sais pas quoi, ça va être un peu chiant de fabriquer ça à chaque fois là. Donc à moins de s'en faire une belle réserve, à moins qu'on puisse après looter ce genre d'item, mais bon voilà. Et pareil, le... Je sais pas sur combien de temps ça respawn les items au sol. Et si ça respawn, voilà, bon a priori c'était peut-être le cas vu qu'il y avait de l'iron. Je sais pas si j'étais venu en choper ici, mais bon, voilà. On va prendre la petite pierre aussi. Et je sais pas, ouais, mon pont il est ici. On va se le mettre en numéro 4. Ah, vous déconnez ou quoi? Ah ouais, d'accord, on n'a pas fini quoi. Parce que si c'est tronçon par tronçon comme ça, les jeunes... bah écoutez, voilà, je vais balancer toute la corde que je peux. Je vais refaire autant de wood plank que je peux aussi. Parce que c'était combien à chaque fois là? Je sais pas combien de morceaux. Wood plank, 8 et 8. Bah 8, j'ai de quoi en faire 1. Les cordes là, je vais pouvoir en faire 2. Donc il me faudrait 16 planches là pour refaire 2 tronçons. Mais j'ai pas assez d'items. Ouais, non, je me suis trompé de ligne. Donc là, 16, 16, 16, 24. Comme ça, je pourrais en faire. Je pourrais en faire. Ben ouais. 3 tronçons. Alors, je vais aller taper du bois avant que ça me sorte que c'est pas possible. Bah, écoutez, voilà. J'espère que cet épisode découverte vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, que ce soit sur Iceland Paradise After Storm, ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne, et bien n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je tiens à remercier encore une fois le studio de développement et d'édition SGC, si je dis pas de bêtises, m'avoir gentiment fourni une petite clé et offert celle-ci. Pour vous présenter ce petit jeu. Sur ce, on se laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et surveillez bien. Ok, Emur, avant de se quitter, on va refaire un tour dans la maison là. Non, c'est pas celle-ci, moi c'est là-bas. C'est là-bas si j'arrive à passer. Alors j'ai plus de hache, donc je suis interrompu pour couper du bois. Faut que j'en relance une. On va choper des fibres au passage. Et j'aimerais bien voir si... Ouais, mes clous et mes cordes sont sortis ici. Ok, donc là, vu qu'il est allumé, a priori, je peux balancer d'autres trucs. Et... Il me reste combien de... Il m'en reste... Ouais, c'est 5 clous, une plaque, c'est 5 clous, quoi. Donc on va refaire ça comme ça. Là, ça m'en fera 15. Et à la rigueur, j'en ai encore 2. Je vais la split. La mettre là, et normalement, si je fais ça, j'aurai mes 20 clous. Et puis ma Z. Après, c'est quoi? 4 cordes. Ça m'en a fait qu'une, c'est génial. Donc, on va faire ça comme ça. Bah, écoutez, je vais tout programmer pour qu'on ait notre petit coffre. Small wood et wood plank. Normalement, c'est bon ça. Wood plank. Et small wood, c'est là. Ah, écoutez, voilà, comme ça on finira le pont la prochaine fois et on installera notre coffre. Comme ça on pourra mettre masse ressources et se vider les poches et on verra combien de tronçons il faut. Mais à mon avis, c'est mal barré quoi. Ok, les jeunes. Pour les recettes de cuisine, c'est juste à côté, j'ai pas fait gaffe. Donc là, j'ai viré mes tomates parce qu'il n'y a pas de recette. Donc on peut faire du poisson, des patates. Des baked mushrooms, boil, donc on va attendre que tout ça se cuisine et on mangera ça plus tard. Et puis moi je vais retourner farmer. Excellent! Oh donc il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!